Les joueurs qui s'échauffent, on s'attend vraiment à un spectacle exceptionnel aujourd'hui. Un match que l'on va suivre en direct. Salut à toutes et tous, bienvenue à Liverpool dans ce stade d'Anfield. Je suis en compagnie de l'inénarrable Pierre Ménès pour vous rencontrer cette rencontre. C'est la première ligue anglaise qui est à l'honneur aujourd'hui avec ce match. Un duel plus qu'intéressant, Pierre. Oui, Hervé, encore un match intéressant à suivre entre deux formations dont on attend assez peu de fantaisie dans la compo ou sur le plan tactique. On va se contenter d'appliquer les recettes qui marchent. Alcantara qui redonne à Thiago Alcantara. Liverpool qui perd le ballon. Je crois qu'il se passe des choses intéressantes au London Stadium. Oui, il s'agit du premier but pour Tottenham. Un but à zéro donc, on joue la sixième minute de jeu. Merci pour l'info. Et la passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Ouais, bon tac, il prend la balle. Firmino, attention, ils peuvent prendre l'avantage. Et le but, l'ouverture du score. Eh bien, on n'aura pas attendu très longtemps pour voir ce premier but. Ah, c'est sûr, mais à mon avis, il va entraîner quelques ajustements tactiques de part et d'autre. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Jones. Alexander Arnold. Thiago Alcantara. En position idéale pour centrer. Non, c'est finalement un ballon rendu à l'adversaire. Oh, attention, ça peut coûter cher cette erreur. Allez, il est passé, ça va être dangereux. Le ballon qui revient dans l'axe. Oh, c'était dangereux de tenter ce tacle dans la surface. Salah. Anderson. Liverpool qui marque et qui creuse l'écart. Ça fait 2 buts d'avance maintenant pour les Reds. Et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage. Ils accentuent leur avance. Ouais, faute évidente. Je crois qu'il y a eu un but au Molyneux Stadium de Wolverhampton. Oui, Hervé, c'est le premier but pour Arsenal. Et l'arbitre qui accorde un coup franc bien placé. Il y a danger sur ce coup franc qui pourrait bien être direct. Le gardien va devoir être attentif. En tout cas, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir tenté. Ouais, malgré tout, il reste déterminé. Alors qu'il y a quand même 2 buts de retard, c'est pas mal. Andrew Robertson. Roberto Firmino. Roberto Firmino. Oh, ça, c'était dangereux. Bonne intervention. Voyons comment Liverpool va développer cette action. Le ballon donné au millimètre, attention. Oh, ça aurait pu être son doublé. Le gardien a su s'interposer. Corner, indique l'arbitre. Ce ballon qui file jusqu'au gardien. Il va pouvoir relancer son équipe. Thiago Alcantara. Ouais, la frappe. Non, c'est contré. Sanderberg. Ouais, très bon duel défensif. Bien joué. Liverpool qui perd le ballon. Ouais, bien joué. Il se tacle dans la surface. Et 1 minute de temps additionnel. Roberto Firmino. Il perd le ballon.
Voilà, les uns et les autres vont regagner les... Après le passage au vestiaire, c'est reparti pour 45 minutes. Ouais, 45 minutes avec du spectacle, ce serait cool, non ? Ah, il est à l'interception. Un ballon perdu, l'adversaire s'est interposé. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Ce sera pour le Wake cette touche. Nous aurons rendez-vous avec de la première ligue anglaise pour cette rencontre. Liverpool accueillera Everton à domicile. Rencontre qui comptera pour la prochaine journée de première ligue. Il est passé. Et le but ! Eh oui, ça a touché le poteau. Et c'est rentré. On le revoit sur ces images. Cette passe en profondeur a un peu semé la panique dans la défense. On revoit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Ouais, exploit individuel. Belle preuve de sang-froid dans le dernier geste. Le ballon est perdu. Henderson. Pour Mohamed Salah. La passe de Mohamed Salah. Et c'est perdu. Ça peut devenir dangereux. Le ballon qui change de camp après cette bonne intervention. Ah, ça va pas être facile de s'en sortir. On va faire un petit crochet par Wolverhampton. Parce que je crois qu'il y a eu un but dans le Molineux Stadium. Oui, oui, Hervé, c'est le premier but pour Wolverhampton. Ça fait donc un but partout. Après 61 minutes de jeu. Ok, c'est bien noté, merci beaucoup. Salah. Oh, c'est dangereux. Et le gardien qui est battu. Cette perte de balle, elle leur coûte cher. Ouais, après ça va très vite, hein, mais le buteur signe un bel exploit individuel. Alors, encore un but, le score qui est déjà de 4-0. Ouais, joli le 1-2. Ouais, joli coup d'œil de Firmino. Belle passe en profondeur. Et Liverpool qui marque. Ah, c'est probablement le coup de massue. Ils ne pourront pas revenir. On s'attendait à un match facile pour eux. Eh bien, c'est confirmé. Oui, il n'y avait pas photo sur le papier. Bah, il n'y a pas photo sur le terrain. Je crois qu'on a eu un but au London Stadium. Oui, 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 il s'agit du premier but en faveur de West Ham. On en est donc à 2-1. Et on joue ici depuis exactement 70 minutes, Hervé. Merci, et merci beaucoup pour ces informations. Une bonne passe. Oh oui, encore une bonne passe. Roberto Firmino. Ah, il se trouve bien dans ce match. Hein. Ouais, les enchaînements sont bons, ça tourne bien. Le bon ballon. Le gardien qui repousse. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Bravo, c'est lui qui sauve la mise sur cette action. Quel arrêt. Ils n'ont pas vu le jour dans ce match. Ils ont réussi à stabiliser le score. Ça fait un petit moment qu'ils n'ont plus pris de but, mais jamais ils n'ont plus inquiété leur adversaire. 5-0 ici, un score qui ne devrait plus évoluer maintenant. Vous savez quel sera le prochain adversaire de cette équipe, Pierre ? Les Reds vont affronter Everton ensuite. Les joueurs peuvent avoir le sentiment du devoir accompli. Ils mènent tranquillement au score pour l'instant. Pierre, vous assistez au même match que moi. Hein. Ce joueur, c'est un élément essentiel du jeu aujourd'hui. Hein. Un des joueurs clés dans l'animation offensive de son équipe. Une passe décisive, de bonnes prises de balles. Des courses judicieuses pour retirer la défense. C'est bien. Il reste exactement 5 minutes à jouer dans cette rencontre. Il alerte son partenaire dans le dos. Ah, c'est pas ce qu'il voulait faire. Tant mieux pour le gardien qui s'empare du ballon. Bien sûr, il en faut plus que ça pour tromper Alisson Becker. Sadio Mané. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Oh, but pour Liverpool. On revoit sur ces images la passe en profondeur, tout par-delà. Le buteur qui a décidé d'y aller tout seul. Il est parfaitement lancé, après il n'y a plus qu'à battre le gardien.
Voilà, c'est fini. Un match parfaitement négocié.